qui l'honneur. Bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était après le match contre Saint-Etienne. Tu as disputé 90 minutes, tu as eu un retour sur le banc avec le retour d'Alex dans le groupe. Comment tu vois ce week-end? Là, Max, il est suspendu. Donc la logique des choses, ça devait être moi contre Lorient. Mais après, voilà, c'est le coach qui va décider de ses choix. C'est lui qui va mettre en place la tactique et décider les joueurs qui devront commencer. Si tu remplaces Max, ça serait passer de l'autre côté de la charnière? Je peux jouer à gauche ou à droite, mais je crois que ce qu'on avait travaillé, c'était moi sur le côté droit. Après, s'il venait à me mettre sur le côté gauche, ça ne me dérangerait pas parce qu'à l'OM, j'étais sur le côté gauche aussi. Dans l'ordre, vous sortez d'un revers à Rennes qui avait rien d'informant. Hein. Comment vous avez vécu cette semaine justement? On s'est dit quoi? Faut lancer la machine? Honnêtement, on s'est rien dit. Il faut continuer à travailler parce que sur le plan collectif contre Rennes, même si on a défendu tout le match, on a très bien défendu. On a même réussi à avoir pas mal d'occasions qu'on n'a pas réussi à concrétiser. En plus, je crois que Rennes, les seules occasions qu'ils ont eues, c'était sur coup de pied arrêté. Sinon, dans le jeu, ils n'ont pas eu trop d'action. Donc ça montre qu'on travaille bien, mais il faut continuer à travailler sereinement et prendre match après match pour essayer de prendre le plus de points possible. Parce que c'est vrai, on vous a vu avec un bloc quand même relativement bas, c'était, on a compris, un choix du coach, mais au final, comme tu viens de le souligner, c'était quand même très intéressant collectivement et défensivement, ça a su tenir à braque. Alors t'as pas joué, mais on sent quand même que derrière, il y a un équilibre qui a été trouvé. C'est ça, on se met au diapason, défensivement, on travaille énormément sur le plan tactique à l'entraînement. On a défendu comme ça contre Lens, on a pris les 3 points. Là, tactiquement, ils voulaient un bloc solide, qu'on soit compact, chose qu'on a réussi à faire quasiment tout au long du match, sauf malheureusement sur coup de pied arrêté. Mais voilà, on continue de bien défendre et ressortir proprement à la balle quand il faut. Voilà, c'est le coach qui demande ça et on essaie d'appliquer ça. À Rennes, il y a eu 11 corners, il y a souvent eu du danger sur ces phases-là. Mats disait cette semaine que c'est déjà arrivé au cours de la saison. Comment on peut améliorer cette gestion des coups de pied? Peut-être être plus agressif. Voilà, c'est quand on est au corner, surtout défensif pour nous. Voilà, il faut tout sortir, il faut tout envoyer. Surtout, voilà, on ne veut pas prendre de but, c'est le principal. Mais si on veut éviter de perdre des duels dans notre surface pour que ça soit... Comme on a eu ce week-end un but, voilà, il faut bien défendre, il faut être agressif, il faut tout soulever, voilà, concrètement. Mais c'est quelque chose qu'on travaille aussi à l'entraînement, les coups de pied arrêtés. Et on a besoin encore de maths dans les buts, parce que vu les arrêts qu'il nous a fait sur coup de pied arrêté, ça va nous servir. Tu évoquais l'aspect défensif il y a quelques instants. Est-ce que tu as le sentiment au quart du championnat que le Racing progresse à tout point de vue, offensif, défensif? Et est-ce qu'il y a encore, selon toi, une marge de progression qui est... importante, très importante? Je pense qu'on peut encore mieux faire. Je pense qu'on en est capable. Vu tous les problèmes défensifs qu'on a eu au début de saison sur coup de pied arrêté, je pense qu'en début de saison, on a eu beaucoup de mal défensivement. Voilà, on avait besoin d'être rodé encore sur les coups de pied arrêté. Mais au fil du temps et au fil des matchs, on avance. On arrive à mettre en place ce que le coach souhaite. Et je pense qu'au fil de la saison, ça va marcher. Et on sera encore plus solide. Vous affrontez une équipe de Lorient, résultant paradoxaux. Hein, ils n'ont plus perdu depuis un an à domicile, ils ont plus perdu depuis 8 mois à domicile, ils n'ont plus gagné depuis un an à l'extérieur. Comment, quand on est de l'extérieur, on analyse ça? Personnellement, je ne savais pas. Mais le plus important pour nous ce week-end, ça va être de prendre les 3 points. On est à domicile, il y a tout le stade qui sera derrière nous. Donc, et en plus, face, on va dire, à un concurrent direct. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les 3 points et ensuite enchaîner. Je voulais te poser une question sur l'attaque de Strasbourg. Avec 18 buts, c'est l'une des plus prolifiques du championnat. Toi, de derrière, comment tu vois cette complémentarité entre Habib, Ludo, Kevin est blessé, mais voilà, comment tu vois ça? Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et je ne parle pas qu'entre Ludo et Kev. Même avec Majid ou avec Habib, ils s'entendent bien à l'entraînement. Des fois, même quand le coach il mélange les équipes, que par exemple Ludo il se retrouve avec Majid ou Habib, ça fonctionne très bien. L'entente est très bonne entre tous les attaquants. Et quand on arrive à les trouver en match et qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font à l'entraînement, franchement, c'est un régal de les voir jouer comme ça. Et en plus, s'ils arrivent à marquer des buts, c'est encore mieux pour toute l'équipe.
Moi, je reviens sur la défense. Lucas, en début de saison, tu étais titulaire. Ensuite, tu as été remplacé par Maxime, enfin, moi, avec un positionnement. Mais comment tu vis cette concurrence actuellement? C'est la concurrence. Ça marche comme ça. Il y a la concurrence de partout dans chaque club. Je savais, en étant ici, que j'allais pas être le titulaire indiscutable. Parce que j'ai eu la discussion avec le coach. Il m'a direct dit qu'il promettra jamais du temps de jeu à qui que ce soit. Mais voilà, c'est la concurrence. Et ça pousse tout le monde à nous pousser à notre meilleur niveau. Pardon. Voilà. Donc, j'ai commencé en début de saison. Après, j'ai pu jouer pendant 3-4 matchs, je crois. Et j'ai réussi à retrouver les terrains. Mais maintenant, c'est à moi d'enchaîner. C'est à moi de montrer au coach qu'il peut me faire confiance. En termes de progression, d'un point de vue personnel, comment tu sens cette saison? T'évolues encore? Dans le sens, déjà j'ai plus de temps de jeu qu'à Marseille, donc c'est plus important, mais j'ai besoin de prendre encore plus d'expérience et aussi d'avoir plus de temps de jeu, mais ça va passer par les entraînements, il n'y a que sur le terrain que ça va se passer comme ça. Mais pour moi j'ai une bonne marge de progression et je peux encore montrer le meilleur de moi-même. On se rend compte que malgré le classement, une 12e place tout à fait honorable, il n'y a eu que 2 clean sheets depuis le début de la saison, 11 journées. Est-ce que pour toi, défenseur, c'est un truc qu'il faut essayer de reproduire, c'est un objectif? Alors c'est sûr qu'en tant que défenseur, moi je vais vous dire que il ne faut pas prendre de but. Si on ne prend pas de but à tous les matchs, franchement c'est le top du top. Mais voilà, on le sait très bien que c'est difficile de ne pas prendre de but, surtout quand on joue les gros du classement. Donc oui, c'est sûr de ne pas prendre de but, mais il faut qu'on... Pour moi, l'objectif, c'est déjà dans le match, c'est de ne pas prendre de but, mais si on... Allez, maximum, on en prend un ou voire deux, ce serait très bien. Si on arrive à marquer plus de buts qu'on encaisse, ce serait magnifique. Tu parlais des gros du championnat. Justement, quand, après avoir joué ces matchs-là, est-ce qu'on peut le répercuter sur des équipes qui sont plus de votre championnat, comme Lorient, par exemple? Nous, on ne choisit pas nos adversaires, on enchaîne, on prend les matchs qu'il y a, on les prend match après match. Là on reçoit Lorient, après on va à Nantes, après je crois qu'on reçoit Reims, on va à Monaco, donc voilà, c'est vu le classement du moment, c'est en haut, en bas, donc c'est match après match et il faut prendre le plus de points possible. Tu as connu la ferveur marseillaise, tu découvres la ferveur strasbourgeoise, en quoi elle est différente et comment tu apprécies ce public ici? La différence c'est qu'il y a plus de monde au Vélodrome que ici, mais non, franchement moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la Méno, j'aime beaucoup. Même si on a pu le voir contre Lille quand on perdait, ils étaient toujours là à nous encourager, à nous supporter. Et je pense qu'on a besoin de ça. Parce que c'est sûr qu'à mon avis, dans la saison, on aura des moments difficiles. Et on aura besoin d'un stade rempli pour nous pousser. C'est quelque chose qui a compté dans ton choix de venir à Strasbourg? C'est plus le projet sportif que m'a présenté le coach. Après, comme je le répète, on m'a dit que c'était le Marseille de l'Est, au niveau de l'ambiance, au niveau du stade. Et je ne me suis pas trompé. C'est déjà la 12e journée ce week-end. Est-ce que, entre vous, entre joueurs, vous êtes fixé un objectif de points pour la trêve? Honnêtement, non. On s'est dit que selon un certain nombre de matchs, on va voir où est-ce qu'on va se placer. Jusqu'à la trêve, on veut voir où est-ce qu'on va se placer. L'objectif, c'est de finir le plus haut possible. Mais on a largement les moyens de finir dans la première partie de tableau. Merci Lucas. Merci à vous.
Comment allez-vous déjà ? Ah, ça va, merci. Vous aussi ? Très bien, merci. Eh ben, tant mieux, je suis content alors. Julien, j'ai pas fait le déplacement à Rennes, donc je me permets de faire un petit retour en arrière sur ce match. Il y avait une standing ovation au début, au coup d'envoi. On vous a vu très ému à la télé. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce moment ? Ouais, je l'ai dit à la fin du match, c'est un moment rare dans une carrière. Voilà. Le match débutait, donc il fallait rester concentré sur le match. C'est beaucoup d'années passées là-bas, beaucoup de joie, une expérience incroyable. Je les ai remerciés par voie de presse. Je vais continuer à le faire puisque vous me posez la question. C'est un moment que je n'oublierai pas. Le match, le Racing a perdu 1-0. C'est une nouvelle semaine. Et l'obligation peut-être de nouveau de prendre des points à domicile maintenant ? On a toujours envie de prendre des points et on a été à Rennes aussi pour en prendre. On n'a pas été loin, il a fallu digérer d'abord la manière dont on a pris le but, parce qu'on s'est senti lésé, et en voyant les images, on s'est encore plus senti lésé, parce que très clairement, il y avait une faute sur Alex, et ça a des incidences, vu qu'on défend en zone sur la manière de pouvoir intervenir après sur cette action-là. Donc on a digéré ça. Pour autant, on a aussi concédé dès la fin du match qu'on avait beaucoup subi de situations sur coup de pied arrêté, donc il nous a fallu regarder ça à la vidéo pour corriger. Mais ce qu'on a voulu faire sur le plan stratégique, on l'a plutôt bien négocié, on l'a plutôt bien fait, même si, notamment en première mi-temps, j'aurais aimé qu'on puisse sortir par séquence plus haut, aller les presser. On a aussi vu qu'on n'avait pas saisi toutes nos opportunités pour aller les presser. Puis au fur et à mesure du match, on a eu les opportunités pour mener au score, pour prendre le score. Et je pense que si on l'a fait à ce moment-là, on serait revenu avec quelque chose de très important. Bon, l'histoire de ce match a voulu qu'on soit battu à Rennes. Mais comme tous les matchs, on les prépare pour prendre des points. Dimanche, c'est Lorient en face, une équipe qui fait pas trop de bruit, mais qui à un moment était quasiment au pied du podium. Là, ça tourne un peu moins bien pour eux. Comment tu les juges ? C'est pour ça qu'elle est dangereuse, parce qu'elle fait pas beaucoup de bruit, mais qu'elle a des arguments. Elle a beaucoup d'arguments, elle a beaucoup de vitesse, notamment devant. Elle est forte sur les situations de contre-attaque. Elle a trouvé une structure depuis la deuxième partie de saison dernière qui fonctionne très très bien, qui leur a permis de faire une remarquable phase retour, et ils sont dans la continuité de la remarquable phase retour qu'ils ont faite la saison dernière. Je crois que si on cumule tout ça, ils ne doivent pas être loin d'être dans les 7-8 premiers depuis le mois de janvier. Donc ça montre la qualité du travail, la qualité du coach bien sûr, la qualité des joueurs qu'il peut y avoir, de l'effectif. Ils ont assez peu bougé, donc ils ont aussi beaucoup beaucoup de repères par rapport à la saison dernière. Donc c'est un adversaire difficile à manœuvrer et qui a des arguments de vitesse dans le domaine offensif. Il faudra faire attention à quoi particulièrement ? Je viens de le dire, au fait qu'ils se connaissent bien, qu'ils aient des certitudes dans leur jeu, parce que depuis l'année dernière, ils ont très peu bougé au niveau de l'effectif. Ils ont des aboyeurs au milieu de terrain et des joueurs qui sont très agressifs avec Lemoine et Abergel et qui ont la capacité d'aller récupérer les ballons dans les pieds de l'adversaire. Et puis ils ont devant... même si l'Orienté sera certainement absent, mais avec Mofi, avec Diarra de la vitesse, ils ont aussi Grbic qui peut jouer aussi à côté de Mofi. Donc ils ont beaucoup de ressources, de l'expérience également. Voilà, donc c'est une équipe qui va prendre des points régulièrement, qui va en gratter régulièrement, même si c'est vrai que sur les 4 derniers, il n'y en a peut-être pas eu autant que ce qu'ils auraient espéré, mais dans ces 4 matchs-là, ils ont été faire notamment un match nul à Lyon, probant. Ça montre toute la valeur de cet adversaire. Une équipe qui n'a plus perdu à domicile, qui a presque tout gagné depuis février, mais qui paradoxalement ne s'est plus imposé à l'extérieur depuis un an. Quel regard vous portez sur ce paradoxe de résultat, justement ? Ça ne va pas me rassurer, parce que comme toute série, plus elle avance et plus elle se rapproche de la fin. J'espère que ça ne sera pas ce week-end. Est-ce que vous-même, dans votre carrière de coach, elle est très courte, vous avez connu ce genre de... Non, pas aussi long, non, pas aussi long. On a beaucoup parlé de ton passé rennais ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton passage l'Orienté ? Ouais, c'était il y a quelques années déjà, chez les jeunes. C'était une belle expérience. C'était la période de Christian Gourcuff, avec tout ce que ça a généré en termes de méthode de travail et d'application d'un système de jeu. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. J'ai travaillé aussi avec des gens d'une grande compétence au centre de formation. J'ai connu quelques très bons joueurs, notamment Seko Fofana, qui est maintenant à Lens, que j'avais la chance d'accompagner pendant 2 ans à Lorient. Non, c'est un très bon souvenir, vraiment un très très bon souvenir dans mon parcours et dans tout ce que j'ai pu apprendre là-bas. Comment tu as vu ce club évoluer depuis ?
Déjà dans ses infrastructures, puisque le centre d'entraînement n'existait pas encore à cette époque-là, Carlier n'existait pas, donc les pros s'entraînaient au moustoir, nous on s'entraînait sur deux terrains de moyenne qualité dans des préfabriqués. Donc les infrastructures ont complètement changé, et puis voilà, ils se sont reconstruits après la descente, ils ont réussi à remonter. Ils ont fait beaucoup d'investissements la première année sur des attaquants, sur Mofi, sur Grebitch notamment, ils ont beaucoup investi sur ces joueurs-là. Et ils ont construit un effectif très homogène et très dense. Je voulais te poser une question par rapport à l'attaque strasbourgeoise, sachant que Kevin est blessé, donc a priori forfait. Il sera forfait, oui. Finalement, Habib et Ludo, on peut débuter ensemble, c'est arrivé que deux fois. Est-ce que tu peux nous parler de cette complémentarité entre les deux et aussi de la complémentarité essentiellement entre Kevin et Ludo, parce que c'est eux qui ont le plus joué ensemble. Ouais, mais ils s'entraînent tous ensemble tous les jours, donc les associations elles se font dans le quotidien, les principes sont partagés, les mouvements offensifs qu'on travaille sont connus par tout le monde. Je trouve qu'il y a une connexion qui est de plus en plus intéressante entre tous ces joueurs-là. Il y a aussi Majid là-dedans. Il va y avoir le retour de Moïse très prochainement, puisqu'il a fait une semaine d'entraînement normal et qui va être aussi intégré à ces mouvements offensifs-là. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir des profils qui sont différents, mais qui sont tous capables de fonctionner les uns avec les autres. Tout à l'heure, moi je vais parler de la défense. Vous avez évoqué justement la défense en zone sur les coups de pied arrêtés défensifs. Alors bon, c'est dans le football moderne, mais est-ce qu'à un moment donné, sur le match face à Rennes, vous avez hésité? Parce qu'on a quand même vu Agard prendre régulièrement l'ascendance sur le jeu aérien. Est-ce que vous avez dit peut-être qu'à un moment donné, il faudrait remettre sur une défense individuelle? Non, parce qu'on a très clairement eu un défaut de positionnement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. On a eu des difficultés en début de saison sur les coups de pied arrêtés, notamment contre Troyes et contre Brest à domicile. Ça pouvait s'expliquer par le fait qu'il y a eu un changement d'organisation. Là où il y avait du marquage individuel l'année dernière, on est passé dans un marquage de zone. Le marquage individuel l'année dernière n'a pas forcément non plus abouti à ce que ça soit hyper solide sur les coups de pied arrêtés. Je crois qu'il y a eu 8 ou 9 buts concédés sur les corners l'année dernière. Donc il a fallu réajuster des positions. On était bien sur les 4-5 derniers matchs, peu mis en difficulté, à Lens, contre Lille, contre Montpellier, contre Saint-Etienne. Sur toutes ces phases de jeu-là, on était vraiment bien. Et là, on a eu des difficultés principalement parce qu'on n'était pas bien positionné, en tout cas pas positionné comme on aurait dû l'être. Donc on l'a analysé, on l'a remis en place sur le terrain, on va continuer encore à le faire. C'est un travail perpétuel d'ajustement et à quelques centimètres, on peut ouvrir une zone et du coup se retrouver en difficulté. C'est ce qui s'est passé sur le match de Rennes. Je reviens juste sur Habib et Ludo. Est-ce que finalement, c'est deux joueurs qui n'ont pas un peu le même profil, sont totalement complémentaires? Non, ils sont complémentaires. Ils peuvent jouer et en plus, ils ont des affinités pour jouer ensemble. Il n'y a aucune difficulté. On a vraiment des attaquants, bien sûr, qui aiment marquer, mais qui sont aussi très orientés vers le collectif. Voilà, ça, c'est aussi très intéressant. Non, ils peuvent bien évidemment jouer ensemble avec des courses qui peuvent s'associer, des mouvements qui peuvent être complémentaires les uns aux autres. Ouais, donc Max est suspendu, Kev blessé, Moïse a fait une semaine partielle la semaine dernière, une semaine complète cette semaine, donc on prendra la décision demain pour voir un petit peu comment on aménage son programme à lui. Pour les autres, ceux qui étaient blessés le sont toujours et ceux qui sont en bonne santé le sont toujours. Comme tu soulignais avant, côté l'orienté justement pourrait ne pas être là, Morel par contre pourrait faire son retour, c'est quelque chose qui peut aussi apporter quelque chose à cette équipe Ouais. Après, ils ont là trouvé une stabilité défensive. Oui, Jérémy Morel sera certainement un cadre encore cette saison lorsqu'il aura la plénitude de ses moyens. Il a eu une longue absence, donc je ne sais pas dans quel état il est exactement. De toute façon, ça ne modifiera pas leur organisation ni ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est vrai que l'absence d'Armand Lorienté peut modifier certaines choses, même si Stéphane Diarra va aussi très très vite. Mais voilà, Armand a aussi une très bonne qualité sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs, donc très dangereux également là-dessus. Voilà, mais ils ont dans le domaine offensif des arguments de vitesse que peu d'équipes peuvent avoir. Quand on a Mofi, Diarra et Lorienté, ça va très vite, donc il faut faire très attention sur les phases de transition. Tu parlais des dimanches en disant qu'il ne fallait pas comparer les deux matchs, enfin, de ce que tu pouvais appliquer à Rennes. Et la dynamique ne sera pas forcément la même. Non, ça sera une dynamique de match complètement différente.
Bon, du fait qu'on soit à domicile déjà, et puis aussi parce que la structure de l'équipe en face et les caractéristiques des joueurs sont aussi différentes. Voilà, donc ça sera autre chose. Il reste deux matchs avant la troisième trêve internationale. Est-ce que vous êtes un peu, toi-même, challengé, ou les joueurs entre eux, pour fixer un objectif avant cette trêve ? Pas en termes de points. On s'était challengé, je vous l'avais dit, qu'on ferait le point à la trêve internationale, et plus généralement même après le match de Reims. Parce qu'on estime qu'à ce moment-là, ça nous permettra de nous situer de manière un petit peu plus claire. Non, on aborde les matchs pour prendre le maximum de points à chaque fois. Je ne pense pas qu'il faille mettre de pression négative sur un tableau de marche à suivre avec tant de points à tel moment, parce qu'on se rend compte que dans une saison, on nous avait dit au mois d'août, vous avez un mois d'août plutôt aisé, il faut prendre des points au mois d'août, et vous avez un mois de septembre plus difficile, et ben on a pris plus de points au mois de septembre qu'au mois d'août. Voilà, pour les raisons certainement qu'on connaît, parce qu'on a aussi affiné notre recrutement et qu'on avait un groupe complet au mois de septembre. Donc il n'y a pas de vérité. Tous les matchs en Ligue 1 sont difficiles, toutes les équipes sont organisées, toutes les équipes ont des arguments. Voilà, nous, on veut continuer notre bonhomme de chemin, continuer à progresser, à avancer. Je trouve qu'on l'a bien fait depuis le début de saison, mais ce n'est pas terminé encore. Voilà, on doit continuer à progresser, et ça passe par prendre des points et être ambitieux à ce niveau-là. Lucas Perrin, il y a quelques minutes, il a perdu sa place de titulaire avec l'arrivée de plusieurs défenseurs à la fin du mercato. C'est un joueur avec peu de vécu en Ligue 1. Qu'est-ce qui lui manque encore pour peut-être retrouver cette place de titulaire de manière durable ? Vous savez, on a 4 défenseurs centraux pour 3 postes, donc c'est très peu. Et vous verrez qu'en fin de saison, celui qui aura peut-être le moins joué aura au moins fait entre 10 et 15 matchs titulaires sur la saison. C'est une certitude et c'est une évidence. Moi, je suis content d'avoir ces 4 joueurs-là qui ont des profils différents. Qui peuvent tous jouer les uns avec les autres, qui comprennent maintenant tous exactement la manière dont on veut défendre, les principes de zone qu'on veut mettre en place, qui est partagé par l'ensemble de l'équipe. Ça nous permet d'être de plus en plus solides. Voilà, donc lorsque un est absent pour suspension ou pour blessure, un autre peut venir compenser, et je compte moi sur eux comme dans chaque secteur de jeu pour que la concurrence joue à plein toute la saison et que ça puisse élever tout le monde. Oui, Lorient, c'est un peu l'effet miroir du Racing, avec un 5-3-2 ou un 3-5-2, en fonction de ce qu'on commence place. Est-ce qu'il y a de la place là-dedans pour trouver la faille ? Oui, parce qu'il y a des jeux de position qui font que les systèmes bougent beaucoup. Et vous verrez Lorient comme nous, par moments, sortir le ballon de manière différente. Ça ne sera pas toujours 3. Ça ne sera pas toujours 3 au milieu de terrain non plus. Il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 5, en fonction des positions des uns et des autres. Donc tout ça, c'est sur un tableau noir, le 3-5-2, ou c'est sur une composition officielle au début de match. Et puis après, ça bouge beaucoup quand on va presser, quand on défend en bas, quand on sort le ballon ou quand on est dans le camp adverse. Les systèmes bougent, les positions sont mouvantes. Et donc, on n'est plus dans un 3-5-2 à ce moment-là. L'animation. Exactement. C'est bon ? Merci. Ok, merci.